Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo assez spéciale, vidéo bonus, vidéo tout ce que tu veux. J'adore faire des vidéos comme ça parce que ça me sort des jeux vidéo et c'est autre chose et parce que j'en ai envie de faire autre chose. Justement, donc aujourd'hui, il y a quelques temps, il y a peut-être un mois, j'ai fait une vidéo où je vous montrais mon nouveau clavier, ma nouvelle souris. Ça fait maintenant un mois que je le teste, ça n'a rien changé à l'autre, mais je voulais quand même dire mon avis dessus. Donc mon avis sur cette souris, très simple, noir et rouge illuminé. Là, mon ordi est allumé, donc c'est pour ça qu'elle est rouge, qu'elle est allumée. Donc, elle est très très bien. Elle est très bien à la méthode de cliquer. Et en plus, il y a plusieurs boutons. Moi, j'adore parce que sur Minecraft, je peux faire d'autres choses. Avec les deux boutons là, deux autres boutons ici. Voilà quoi, c'est vraiment génial. Après, j'ai tout simplement ce clavier. Pourquoi je vous montre ces trucs, parce que c'est un QWERTY, mais je m'y habitue extrêmement vite. Et surtout pour les jeux, ça va extrêmement vite. Pareil pour là, en plus, j'utilise souvent ces touches pour le jeu, etc. C'est vraiment bien parce que regardez. Hop, monte. Regardez. Oui, je sais, c'est pas un super jeu. Voilà, regardez. Alors, on peut démonter et on peut descendre. Donc c'est ma Mars Gaming, mais les deux, pour information, mais je vous l'ai déjà dit. Et donc c'était vraiment super, la texture est parfaite, les utilisations sont parfaites. J'adore ce clavier, les boutons, le seul problème c'est que c'est en QWERTY. Mais si vous voulez, je vous mettrai un petit tutoriel dans pas très très longtemps, comment faire une arrobase avec un clavier QWERTY, parce que beaucoup de monde m'en a eu dans la dernière vidéo, justement, comment faire une arrobase avec un clavier QWERTY. Elle n'est pas encore suivie. Et moi, je peux même vous le montrer dans cette vidéo. Donc, c'est très simple. Vous voyez, ici, c'est marqué, là, c'est marqué anglais. Tu vois, anglais. Mais tu peux aussi choisir français. Pour quelle raison? Parce que quand tu mets en anglais, ton clavier marche en QWERTY. Quand tu mets en français, bah, toutes les fonctionnalités du français marchent. Donc, par exemple, si tu mets en français, tu reprends les trucs de base, par exemple tu vas sur une petite truc Google comme ceci, et que tu écris avec ton petit clavier comme ceci, et ben tu peux voir apercevoir que sur l'un de ces petits claviers, est-ce que tu vois une arrobase quelque part? Dis-le moi. Tu ne vois pas d'arrobase, donc il faut chercher. Ici ça met ça. Hop, donc voilà, j'ai réussi. En fait, regardez ce qu'il faut faire. Il faut prendre le 0 et il faut prendre le Alt-Gr. Et après, vous prenez votre Alt-Gr et votre 0. Et ça vous en fait plein. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça. C'est vraiment une très bonne technique. Et après, quand tu voulais faire ton arrobase, après la section France, etc., ça marche aussi pour les accents, etc. Les accents, tous les trucs qui n'existent pas en anglais quoi. Et donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, comme ça c'est fait, tu vois. Donc c'était juste pour vous dire cet avis. Je vais mettre une note à ceci. Cette note, c'est tout simplement 15 sur 20. Je vais vous dire les défauts et les qualités. Les qualités, c'est qu'on voit bien que c'est un clavier gamer, qu'il est rouge et noir et c'est très joli. Et on voit bien que c'est un clavier junior parce que les touches sont comme ça. Il fait comme ça. Souvent, sur des claviers normaux, tu touches comme ça, ça voilà. C'est différent. Et surtout, on voit bien que les touches sont agréables à toucher. Les touches plus utilisées dans les jeux sont rouges pour bien remarquer. Comme ça. La souris est très jolie. Elle est rouge aussi. Il y a plusieurs boutons. Il y a plein de boutons. Comme ça, là. Le seul défaut de cette souris, c'est que regardez. Je ne sais pas si vous voulez le voir parce qu'on n'a pas beaucoup lumisé. Attendez. Regardez. Là, sur ce bouton là, que tu vois. Mais il marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas connecté, je sais pas. En tout cas, il marche pas, donc voilà. Donc c'est le seul défaut. Après, tous les autres, ils marchent très très bien. Dans le sens, tous les autres, ils marchent très bien. Donc je vous pense, si vous avez 30€ sur vous, ce petit clavier souris est très bien. Pour des gamers à plein temps.
Donc voilà pour cette vidéo les amis, si elle vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez une vidéo setup, vous me dites dans les commentaires, parce que je change tout le monde de setup, etc. Noël arrive vendredi, donc vendredi vous avez la première vidéo de Noël, petite tasse exclue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, abonne-toi, mais lâche des likes, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir, et 53 abonnés, ça fait plaisir. C'est autant appétit, ça me fait plaisir. Si ces vidéos comme ça, nouvelles et pas que du gaming vous plaît, vous pouvez mettre dans les commentaires et mettre des likes. Et bye. Je vous annonce aussi un nouveau, un truc très très spécial, mercredi, donc voilà. Donc voilà, bye. Enfin, ce jour-là, en fait. Bye.